avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ah. Ça ne va pas. Ah. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi ce calme? Pourquoi ce silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies, à l'est de mon pays. Que le pillage, que la guerre, que les tueries. Nous avons perdu nos vaillants soldats, les généraux, les colonels, les majors, les capitaines et d'autres vaillants soldats. Les femmes sont violées, les hommes coupés en morceaux, les enfants tués à bout portant. Ça fait pleurer. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de tels actes? Oh, jamais, 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 plus jamais ça dans mon pays. J'ai dit ça ne va pas. Wow, oh, oh, oh. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Hey. Dans mon pays. Oh, oh. Ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah, yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh, 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 yeah. Est-ce que nous méritons vraiment ces traitements? Qu'est-ce que nous avons fait pour subir tout ça? Mouzé Laurent Désiré Kabila nous a laissé un bon message de ne jamais trahir le Congo. Mais malheureusement, il y a parmi nous deux frères qui trahissent le pays, voulant toujours voir le sang de leurs frères couler comme de l'eau. Oh, sachez-le qu'il y a un Dieu qui nous a créés Congolais. Un jour ils comparaîtront devant le tribunal de Dieu. Boko Fouta, Boko Foutango, Boko Fouta, Soto Yobozo Boma. Boko Fouta, attends la génération future. Attends la banana biso. Soto Yobozo Sasaka. Vous allez payer, vous allez payer. Le Seigneur ne vous laissera pas épouser. Vous allez payer. Oh yeah. Je réaffirme ce jour en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est, jusqu'à l'éradication complète des forces négatives. Pourquoi seulement quand il s'agit de la reconstruction de notre pays, c'est à ce moment que vous vous arrangez pour commencer les troubles? Cette fois-ci, mon président s'est levé. Établissons l'état de siège à l'est du pays pour bouter dehors tous les groupes armés. Tous derrière le FARDC, tous derrière l'armée congolaise. Chantons tous Basoda Makasi, Babunda Bitumba. Toke Bisodio, 1, 2, 3. FARDC, Basoda Makasi.
Mourinho Kotoyo. Bongo Mbappé Oteye wapi? Mbappé tira wapi? Yango teka da futere. Mapisa nga kutinga machoyo. Papa! Ngidi! Waa! Ibenga zonye baka kilo kote? Iye? Bofingi pe mingi. Okazi yango yo, boko te. Yomogo koche, koche. Yomogo, yomogo. Bon marqué? GD5 B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambou Mao, ils en a 4 lettres. B, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 B au commis champion. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine. HK Today, votre magazine d'information générale. Aujourd'hui, le 16 octobre 2021, nous sommes là aujourd'hui avec un thème qui est tout à fait spécial. Denis Kadima vient d'être entériné par l'Assemblée nationale. Alors, nous avons pensé échanger avec vous. Nous avons pensé en parler ensemble. Aujourd'hui, ça sera à téléphone ouvert. Puisque, il y a, oui, d'un côté, il y a l'entérinement de Denis Kadima. De l'autre côté, il y a des mouvements de contestation. Alors, chers amis, nous allons en parler tout à l'heure. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, au Japon, bonjour. Et vous qui êtes en Europe, en Afrique, bonjour. Alors, bienvenue à ces nouveaux numéros. Voilà pourquoi nous avons mis Kadima, Katumbi, Mosso partout. Alors, vous êtes là, nous avons le seul numéro. Je vais vous expliquer d'abord les contextes dans lesquels les niveaux où on se retrouve maintenant. Et je vais vous donner aussi la parole, comme tous les samedis, puisque c'est un sujet qui nous a pris presque tout le temps. Chaque jour, nous parlons Kadima ou rien, l'Église catholique ou rien, Katumbi ou rien. Aujourd'hui, je vous demande, en tout cas, j'ai besoin de recevoir vos avis, les avis de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora congolaise dit? Qu'est-ce que les Congolais disent? Quelles sont vos réactions à chaud par rapport à cet entérinement? Alors, je vais vous circonscrire la situation à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, s'il faut commencer, donc merci à vous d'être nombreux en train d'attendre cette émission. Merci aussi à ceux qui préparent cette émission à partir de Kinshasa, notre équipe qui est au Parlement. Nous allons tenter d'entrer en contact avec notre équipe. Je ne sais pas, mais apparemment, il y a eu un problème au Parlement. Je vais vous expliquer tous les contextes. D'abord, à tout seigneur, tout honneur, je respecte ceux qui s'abonnent, qui sont des nouveaux sur notre chaîne. Merci d'être là. Merci et bienvenue dans cette famille HK Today. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez vous. Merci si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois et que vous ne vous êtes pas encore abonné. S'il vous plaît, c'est le moment. Abonnez-vous et recommandez l'émission à quelqu'un d'autre pour qu'ensemble, qu'on soit une grande famille pour partager les informations du pays chaque jour. Alors, chers amis, alors pour ceux qui veulent devenir membres permanents comme partenaires, allez-y sur notre chaîne, cliquez là où on a marqué « Rejoindre » et vous allez voir, vous allez nous retrouver dans la famille HK Today, vous serez notre partenaire. Et pour ceux qui veulent soutenir votre chaîne, notre compte PayPal est toujours en marche. Vous avez quelque chose, ça nous aide. Ça, c'est normal. Et ça, c'est une hypocrisie. Il y a des gens qui nous demandent, mais comment je peux te soutenir? Comment je peux soutenir le travail que tu fais? Alors, vous avez un compte PayPal, allez-y. Moi, n'importe combien que vous pouvez avoir à la hauteur de vos moyens, à la hauteur de votre volonté, à la hauteur de vos forces, tout ce que vous pouvez nous donner, c'est toujours une contribution dont nous avons besoin. Et pour les amis des États-Unis, les États-Unis, vous avez les ailes, vous avez aussi les cash app, c'est pour vous, ça peut être une très bonne chose pour nous. Alors, chers amis, allons tout de suite à l'essentiel. Je vais vous donner la parole, vous allez prendre la parole, vous allez aussi nous donner votre point de vue et les numéros, le seul numéro est celui qui est à votre droite. Ici, donc à ma gauche, mais à votre droite.
ici à ma gauche, vous verrez là où il y a mon nom, HK Honoré Kabongo, mais en bas, il y a un numéro, plus 1 au 001-385-215-07-62. Topotani tellement trop, des mois et des mois, en train de parler de la question du président de la CENI. Chers amis, on va en parler, sans pour autant prendre trop de temps. Nous allons en parler. Denis Kadima vient d'être entériné par les parlements de la RDC. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous détaille un peu les champs jusqu'au moment où je fais cette émission et comme ça, je vais vous donner aussi la parole pour vos réactions. Denis Kadima, le parlement a été composé. Disons, plusieurs rapports, comme vous l'avez, nous l'avons toujours expliqué. Les rapports de 6 églises les rapports des 6 églises ont été déposés au Parlement. Les rapports des 2 églises, l'église catholique et l'église SCC, étaient aussi déposés. Mais pour l'SCC et la CENCO, qui est l'église catholique, il n'y avait pas un rapport, mais il y avait une lettre manifestant ou montrant qu'ils ne se sont pas entendus. Il n'y a pas eu un consensus et le Parlement ne peut pas s'hasarder à entériner cette position des 6 églises. Et l'Église catholique et l'SCC ont souligné également que les rapports déposés par les 6 églises ne portent pas la signature de 2 églises, catholique et l'SCC. Et catholique, c'est l'Église catholique qui est à la tête de cette plateforme des confessions religieuses et qui, d'après l'Église catholique, se sent responsable si la signature n'est pas de l'Église catholique, n'est pas sur les PV, donc ce PV-là est nul. Ça, c'est d'après l'Église catholique. Et même l'SCC, qui est l'adjoint de l'Église catholique. Et là, moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'y a pas l'alternance dans des confessions religieuses? Ça fait maintenant 27 ans que l'Église catholique garde toujours la tête de cette fameuse confession religieuse. Ça, c'est un point. Un autre point, les 6 églises soutiennent que nous avons suivi tous les processus. Nous avons respecté tout ce qu'il faut respecter. Faute de consensus, nous sommes allés au vote. Et au vote, nous, les 6 églises, nous avons voté pour Kadima et les 2 autres églises n'ont pas voté et elles se retirent de discussion. Voilà pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à la fin du processus et nous vous amenons ce rapport. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'opposition qui doit présenter, puisque la CENI, cette fois-ci, la CENI est composée de 15 personnes. 5 personnes du pouvoir, de Félix Tshisekedi et ses alliés. 5 personnes de l'opposition, Martin Fayulu, PPRD et les alliés. 5 personnes de la société civile, dont les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses. Alors maintenant, du côté pouvoir, Batindi 5 personnes à Bango. Du côté Église catholique, même s'il y a des contestations entre 2 églises et 6 églises, Batindi 5 personnes à Bango dans les rapports des 6 églises. Et du côté opposition, Baboy. Namini Toyo, côté opposition, Baboy. Alors, l'air sikoyo, parlement, Babengisaki lobby, pour que Basala, Bayoka rapport Wana, et puis, va valider. Lobiwana, Bandekouya Moïse Katumbi, Bandekouya FCC, Bandekouya Lamouka et Martin Fayulu, ils ont claqué la porte. Baboy Balobi, on ne participe pas à ces débats. Il est déjà très mal parti. On ne veut pas cautionner ça. Alors, l'aide Babimi, Mbosso a reporté, Mbosso qui est le président du Sénat qui est à ma gauche. Alors, il reporte la séance pour dire « Retrouvons-nous demain, nous sommes en retard, on doit avancer. » Et il a ouvert l'audience aujourd'hui. D'abord, Lobiwana, bah, ensemble, je dois rappeler ici, ensemble pour la République de Moïse Katumbi, baza membre du gouvernement. Et parmi les membres du gouvernement, quand on dit les pouvoirs, a proposé. Les pouvoirs a proposé, je vais vous montrer la composition de la CENI.
Alors, il y a une partie à Moïse Katumbi-Balobi. Nous ne sommes pas pour, puisque ça, c'est une démocratie. Ils ont fait un tweet. Je vais vous montrer peut-être ce tweet-là. Nassi Sananoko plantait les décors avant, pour vous donner un peu une idée sur ce qui se passe. Alors, Balobi, nous ne sommes pas d'accord. Sans consensus, il n'y a aucune élection. Consensus, wana, rappelez-vous, c'est le mot utilisé par l'Église catholique, c'est le mot utilisé par les FCC et c'est le mot utilisé par la Moka de Martin Fayoum. Alors nous, nous nous posons, nous les observateurs avertis, nous nous posons la question, mais Moïse Katumbi, tu es dans les institutions. Moïse Katumbi, tu participes à la gestion du pays. Et quand tu dis que tu ne donnes pas les membres de ton parti politique dans la composition à CENI, est-ce que tu es dans les institutions ou tu es dans l'opposition? Parce que maintenant, là, c'est l'opposition qui refuse. Mais comment, toi, tu es dans les institutions, tu refuses de donner tes candidats? Un grand point d'interrogation qui reste là-dessus. Alors, ce matin, Bafongoli audience, Nakata audience, et tout le monde, FCC, va boycotter. Et puis, quelques membres de... Merci beaucoup, Ndeko Patrick Kondé, qui nous a donné 50... je ne sais pas ça, c'est quelle monnaie. Merci beaucoup. Ça doit être 50 euros ou 50 dollars, je ne sais pas. Merci infiniment pour ça. Donc, je peux fêter aussi la victoire du processus électoral, que ça évolue. Merci. Fêtons ensemble. Merci beaucoup, Ndeko Patrick Kondé, là où vous êtes. Grand merci. Alors, chers amis, lelo bafongoli audience, moutou ya liboso, ya batou ya liboso, ya ko boya, que mboso afongola audience sur les dossiers CENI, et ya batou ya Moïse Katumbi. Les députés oyazui, sachez ya maï ya pio, ko boya que la mboso, et ya moutou ya Moïse Katumbi. Moutouami Balé Azuiliki, un neuf, a visé Yango sur Mboso, et ça Moutoua Moïse Katumbi. Donc, Batoua Moïse Katumbi, Balobi, nous ne sommes pas d'accord. Babimi, une partie Babimi, une autre partie Baboui Balobi, non. On en a assez. Na imposition, na dictature ya Moïse Katumbi, on quitte ensemble pour la République. Nous allons nous aligner derrière le président de la République, et on avance avec le processus électoral. Je me pose la question, est-ce que Batoua Moïse Katumbi Oyo, Basali déclaration Oyo, Balobi, nous devons quitter l'Union sacrée, Basali Ango Nandenge Nabango, To Basali Ango sur l'ordre de Moïse Katumbi. Moi, je sais qu'ils ont toujours suivi les mots d'ordre. Mes chers amis, écoutez, pourquoi Moïse Katumbi est prêt à quitter l'Union sacrée, puisque réclamation de Liboso à Moïse Katumbi sur le gouvernement, rappelez-vous. Nous voulons autant de ministères, nous voulons ça, nous voulons ça. On lui avait donné ça. Moïse Katumbi, tu es Kokotana, composition, d'abord composition à gouvernement, Bapesi Bango, tu es Kokotana Ninoyo, je ne sais pas encore c'était quoi, réclamation en Bapesi. Et là, non, Balobi, réclamation à Bango, il fallait Bazoa, puisque le président de la CENI vient de la société civile, le premier vice-président vient du pouvoir. Moïse Katumbi avait haussé les tons il y a quelques semaines. Balobi, nous, c'est le premier vice-président ou rien. Mouto est nommé comme premier vice-président, Aza Mouto à Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi et ses députés menacent de quitter l'Assemblée nationale. C'est là où quelque chose un peu me paraît un peu bizarre, compliqué, mais nous allons apprécier la position des uns et des autres. Je vous montre la composition tout à l'heure. D'abord, suivant cet extrait qu'un ami vient de me donner de l'autre côté, là où Mboso, mais là, dans la salle, j'ai vu qu'il y a du monde, c'est plus de 350 députés qui sont restés, et j'ai vu même d'autres en train de danser, des accolades, c'est comme si avoir l'ambiance au sein du Parlement. Donc, la plupart des députés sont convaincus du travail qu'ils ont fait.
Alors, Mbosso ici était en train de lire la composition du gouvernement. Non, de la CENI. Bienvenue. Madame Tera Mulela Patricia. Monsieur Mouindo Moulembori Wagumawa Paul. Madame Birembano Baloume Sylvie. Monsieur Lipemba Ikpanga Ndolo Pascal. Monsieur Boko Matonda Fabien. Monsieur Dito Monizi Blaise. Monsieur Dimwala Mampouya Roger. Madame Ngalula Joséphine. Monsieur Bissambou. Voilà, là c'était un peu un extrait, mais il y a la fête dans la salle du Congrès. Je vous montre la composition en son entièreté. Voici un peu la composition. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de voir ça, mais je vais vous lire. Alors, on dit ceci, les personnes entérinées. Nous avons, je vais vous lire ça. Nous avons le président de la CENI, Kadima Kazadi Deni, président de la CENI, province d'origine Kasaï orientale et composante société civile. Le premier vice-président, Ilanga Lembou, bienvenue. Premier vice-président, province d'origine Maïndombe et composante de la majorité. Deuxième vice-président, chers amis, je dois ici préciser que, d'après l'information Oba Pessingaï, le premier vice-président est de l'Ensemble pour la République. Il est du parti de Mboussa Nyamwisi, membre de l'Ensemble de la République, qui siège pour les comptes de l'ensemble au Parlement. Mais il est maintenant rejeté par les proches de Moïse Katumbi, Balobi, Bazoye Bayete. Alors, il faut que Balongolaye, il ne représente pas ensemble Moïse Katumbi. Enfin, je ne sais pas comment il est parvenu à être nommé, puisque il est de l'ensemble de Moïse Katumbi. Alors, deuxième vice-président, vous verrez que c'est un vide qu'il y a là-bas. Il y a un vide. Et troisième, donc, Madame Nseya Moulela Patricia, rapporteure, elle est du Haut-Katanga, de la majorité présidentielle. Il y a Monsieur Moindo Moulemberi Vaumaua Paul, rapporteur adjoint, il est du Nord Kivu, il est de la majorité. Et puis, il y a les questeurs adjoints qui devraient revenir à l'opposition. Il y a un vide, vous verrez qu'il y a un vide. Opposition, donc opposition, il y a deuxième vice-président qui n'est pas encore là. Et puis, questeurs adjoints qui n'est pas encore là. Madame Birembano Baloume Sylvie, questeur adjoint, elle est du Sud Kivu. Elle est de la majorité, déjà trois personnes, Ndebangonyo Subangona. Il faut baser à la 4. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, 5, 5, 5. Voilà. Monsieur Lipemba Kpangandolo Pascal, membre du bureau de la province de Mongala. Il est de la majorité. Ça, je l'avais déjà dit. Il y a Monsieur Bokomatondo Fabien, membre du bureau de la province du Kwango. De la majorité. Alors, il y a Ditu Monizi Blaise, membre du bureau ville-province de Kinshasa, il est de l'opposition. Voilà, opposition qui a donné un nom. Il y a aussi un autre membre de l'opposition qui n'est pas encore là. Vous verrez, il y a un vide. Bimwala Mampouya Roger, membre du bureau, il est du Congo central, il est de la société civile. Madame Ngalula Joséphine, membre du bureau de la province de Lomami, elle est de la société civile. Monsieur Bissambou Pangbe Gérard, membre du bureau, il est de Kwilu, société civile. Il y a Madame Omokoko Asamoto Adine, membre du bureau, elle est de Sankourou, de la société civile. Alors,
Concernant les votes, alors sur les 10 membres qui étaient dans les... Bon, voilà, ça, je vais vous donner comme un autre détail. Alors, voilà un peu, chers amis, l'essentiel de ce qui était fait pour aujourd'hui. Alors, est-ce que nous sommes tous d'accord de la manière dont les choses s'organisent là, Denis Kadima entériné par les parlements, et d'un côté maintenant le parlement qui a validé les rapports des 6 églises, maintenant là les parlements se retrouvent en face de 4 ou 5 adversaires. Le premier adversaire, c'est l'Église catholique, qui avait dit ceci. Je vous rappelle encore cette vidéo. Et je tiens ici à demander au peuple de se tenir en ordre de marche. Lorsque le moment viendra, lorsque ils s'abstiendront à faire passer ces lois et ces personnages à la tête de la CENI, il faudra qu'ils nous trouvent sur leur chemin. Voilà, ici vous avez les numéros 1 de l'Église catholique, Monseigneur. Moi, je me suis déjà dit que je ne l'appelle plus Monseigneur, je l'appelle Monsieur Ambongo. Oui, c'est comme ça, c'est une appellation, c'est un citoyen congolais, ça n'engage que moi. Il dit ceci, au cas où le Parlement osera passer ces personnages à la tête de la CENI, les parlements et les pouvoirs en place vont rencontrer l'Église catholique sur leur chemin. C'est-à-dire que les marches vont commencer peut-être à partir de demain. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, deuxième adversaire, c'est le FCC. Le FCC qui dit qu'il n'y a pas eu de consensus. D'abord, un, on ne donne pas les noms du deuxième vice-président. Puisque j'ai vu qu'il y a de l'opposition. Parmi les 5 postes de l'opposition, je crois qu'il y a 3. Il ne reste que 2. Deuxième vice-président et les questions radio. L'FCC de Joseph Kabila dit niet. Ils ne reconnaissent pas ni la composition actuelle, ni même la personne retenue à la tête de la CENI. Deuxième adversaire. Troisième adversaire, c'est Martin Fayoulou. Martin Fayoulou et la Mouka, ils sont la Mouka, qui dit on peut tout accepter sauf d'abord la loi qui organise cette CENI. Donc, et la loi, et même les gens qui vont animer cette CENI, nous ne sommes pas d'accord. On doit reprendre tout à zéro. Sinon, les marches vont se multiplier. Troisième adversaire, c'est Moïse Katumbi, qui a à peu près 59 députés au Parlement, et qui dit que je ne suis pas d'accord avec ce qui est fait, même si vous avez donné le premier vice-président de la plateforme Yaye Ensemble pour la République, il s'est dit non, faute puisque Basango Bayokanite. Et raison à Yangwana. Donc là, Basango Bayokanite, moi je ne donne pas les noms de quelqu'un qui pourra représenter Ensemble pour la République. Cinquième adversaire, c'est AMK. AMK s'est soutenu aussi par Moïse Katumbi, notamment à la tête Claudel Lubaya André. Et les autres qui disent, nous ne sommes pas d'accord, ils ont aussi, donc dans tous les députés soutenus par Moïse Katumbi, il y a aussi AMK qui dit, AMK, vous verrez, il y a Eliezer Tamboué, il y a Claudel Lubaya, il y a Deli Sesanga, je crois, Bazama Mingi Kotewana. Bangotu Balobi, l'okola ba Église catholique, ba Yokanite, on ne peut pas entériner Kadima. Et on doit revenir sur la table des discussions et puis trouver un consensus, d'abord au niveau des églises. Alors, chers amis, la question me semble un peu compliquée. Je vous donne la parole. Peut-être vous avez aussi un avis à émettre sur cette question. Ils ont parlé, nous aussi, nous devons parler. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous trouvez que Kadima pourra
être à l'aise et gérer la République, gérer la CENI, jusqu'à aller aux élections, où Mbosso a commis une erreur de pouvoir mettre les pays dans des contestations. Les contestations commencent aujourd'hui. Est-ce que les élections seront crédibles avec cette nomination ou cette confirmation de Kadima? Est-ce que vous trouvez que Mbosso et les autres parlementaires, puisque je rappelle ici que les parlementaires qui sont restés dans la salle, ils sont près de 350 ou 3, oui, puisque d'autres ont dit non. À Katumbi, ils ont dit, d'ailleurs, ils sont en train de se préparer pour un point de presse tout à l'heure là. Alors, chers amis, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez, Nenet Obet Armasol, entre nous, comment vous avez accueilli cette disposition? Et aussi, autre proposition, j'ai oublié, les 21, les ambassadeurs seront en Kamba, objectif, demander à Papa Simon de faire appel à Kadima et que les choses reprennent à zéro, notamment à la tête ambassadeur des États-Unis, ambassadeur et Allemagne, ambassadeur et Grande-Bretagne. Vous, la famille HK Today, qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Pensez-vous que la solution est trouvée? Est-ce que vous voyez Félix Tshisekedi entériner Kadima aussi, puisque en amont, le Parlement a parlé. La dernière personne qui doit parler, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi peut confirmer Kadima ou il peut le faire comme peut-être les cas de Ronsard Malonda? Mais les cas de Ronsard Malonda, je rappelle ici que l'Église catholique ne reconnaissait pas Malonda comme son mandataire. C'est-à-dire que Malonda avait porté la veste de l'Église catholique alors qu'il n'était pas mandaté par l'Église catholique. Et il y a eu la rue qui s'est fâchée et puis tout le monde. Il y a eu même des morts. C'est comme ça que Tshisekedi a dit, comme il y a des morts, il n'y a pas eu Boyokani, on doit reprendre les choses à zéro. Alors, est-ce que Félix Tshisekedi peut aussi nous faire cette surprise de nous dire, non, écoutez, je vous renvoie la balle, essayez un peu encore de discuter. Comment trouvez-vous la situation aujourd'hui? Chers amis, le téléphone est ouvert. Je vous donne le numéro de téléphone, il est là en bas de notre... où est encore notre... Si vous avez déjà les numéros dans les téléphones, dans vos téléphones, vous pouvez carrément nous appeler. Voilà, donc le téléphone est ouvert. Il est à votre droite, 001, si vous êtes à l'extérieur des États-Unis, 385-215-0762. J'ai besoin de vous entendre aussi. Alors, l'antenne vous appartient. L'antenne vous appartient. Appelez-nous, dites-nous ce que vous pensez et comment appréciez-vous la position du Parlement d'évalider, d'évalider Kadima avec les rapports des 6 confessions religieuses. Vous avez la parole pour vos avis et considérations. Donc, quand vous appelez, s'il vous plaît, vous pouvez appeler sur WhatsApp, c'est mieux que composer les numéros, mais vous pouvez toujours tenter, puisque ça coupe beaucoup de choses. Alors, merci, mes salutations à Maman Lili Lajouangaloula, qui dit que Ambongo enlève sa robe et court vite déposer sa candidature à la CENI pour qu'il soit élu comme président de la RDC. Le président de la CENI est déjà là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Lajoie, partout où vous êtes. Je vous salue. Je vous aime bien, vous le savez. Alors, nous allons en France d'abord, en France, Balobi. Point de vue, Yaliboso et Zayabiso. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, mon frère. Allô? Allez-y, Batwaza et Belé na ligne, allez-y. Donc, ils à l'Assemblée nationale, ils à la présidente de la République, à qui peut m'amoter. Tout qu'il y en a avant. Donc, pas qu'il y ait contre la bamoté qui est au bassin, on va s'en laborer. Eux, ils ont un jeu à jouer pour dans cette histoire. Mm-hmm. Donc, à mon avis, je pense que tout qu'il y en a avant. Donc, merci beaucoup, mon frère. Merci. Dès qu'on a vu ça, la France à lobby, il n'y a plus de temps à perdre. On doit avancer, tokende avant que les choses n'engaient à déterminer, wana, et les kanangonde mourana. C'est bon. Alors, Tome Kanan Kokende na Londres,
Bonsoir. Bonsoir, Honoré, bonsoir. Bonsoir, mon cher. Je n'ai même pas parlé, je n'ai pas envie de parler en français ou encore moins en anglais. Mais Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Il y a au moins ma bête, la commission à parité, on est lundi, et lundi, la norme n'y surtout pour ça, on bat à Zaliwana et moi, à constitutionnel, à Yébeloni, à Zaliwana, on très bien. Donc, ils ont les lourds motés, ou ils ont compris que tout le monde a Zalikolo à loi. Tout le monde a Mibeko, Mibeko, les amis, Mibeko, tout le monde côté, ce qui est président, Azar, se soumettre à la loi. Bon, MPM, cardinal, qu'on se soumettre à la loi, c'est pourquoi. Donc, Bissonion, surtout, on a assez à loi. Et l'eau, quand est amis, norme n'y a surtout et ça lit bien tout qu'il y a un n'y 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 a un président a co signé et co les canards tout à la banque se barre au bon moment qu'on voit dans mon bim voilà et l'eau canard il n'a pas et l'engue merci beaucoup mon frère depuis depuis Londres tous ont dit sous toujours à Londres. Allô, bonsoir mon frère. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Honoré. Bonsoir. Oui, bonsoir, Honoré. Comment tu vas? Je vais bien, merci beaucoup. Allez-y, on vous écoute. Ok. Ce que je voulais maintenant ajouter, c'est quoi? Oui, tu vois que nous sommes dans un pays où il y a la démocratie qui règne, qui se manifeste. Ok. Mais nous avons dit que il y a deux parties, l'opposition et la majorité. Mais dans un pays où la démocratie existe. Mais chez nous, là-bas, nous sommes que deux vies. Et c'est la fin de la démocratie qui commence maintenant à occuper. Okay. Il faut que dans tout le monde, la Rwanda, pour moi, pour la dernière minute, et c'est une démocratie au quota. Moi, je ne refuse pas que nous, Katoumi, à quel est la fatigue. On atteint la démocratie. Mais pour que la démocratie soit installée dans notre pays, et c'est nous battre la base à la Rwanda. Mais c'est à nous, la population, de se montrer que nous sommes maintenant matures. Pour maintenant changer notre mentalité, pour que le pays aille au-delà. Okay. Même si tu es bosse et tu as tout de faire. Parce que nous-mêmes, nous sommes le premier peuple dans notre pays. Okay. Il faut que Alan ne soit pas capricieux à l'habitude, mais Alan ne soit pas capricieux à la démocratie. Lorsque l'enfant commence à s'équiper, c'est le papa et la maman, dans le monde de la télé, moi, on a autant de l'élimine, quand on va nous au tableau là. C'est ça la démocratie. Merci. Merci beaucoup, en tout cas, la démocratie a triomphé d'après vous. Merci, en tout cas, bonne soirée. À Londres, nous allons en Belgique. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que tu dis? Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Oui, ça va bien. En tout cas, on a dû la participer, moi, Mouké. Votre réaction à chaud, allez-y. Par rapport à l'émission, en tout cas, on a eu... Maintenant, comme on dit partout dans le monde, une seule voix est beaucoup basculée, hein, Magamouni et Bélé. Oui. Donc, même ceux qui déjà, vous allez même 101 et que 50, plus 51 va dominer. Donc, il y a la Bongo. Dans la zone, ni Moudali de Pêche, ni Moudala Mouka, mais il y a la Congolais normale, il y a la Tarambouka. Donc, il y a un peu de temps. Basango, Basango, la grimace. Abandonné qu'on en a force parce que t'as mis si battu, il devait s'aller au contre la Simana Bango. Le roi a coca sous la tête, tu es bien de la compagnie. Que, moi, c'est un peu de la compagnie. Les acteurs de Pogatoum, il y a Sango Balobi, non. Vous avez dit 8, 6 Balobi, Token de Boya, Bino de Bozo Boya. Tu comprends tellement Nicolas et Dewana, mais non. Quand même, il faut progresser. Quand tu fais la Sabango qui est un démocrate, tant que 6 est dominé, alors Tokéi. Merci beaucoup. Donc,
Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci, Nayo. Nayo qui appelle Nayo. Tous en a nous de Komoro à Bengibiso, na Kinshasa, peut-être. Allô? Ok, merci. Allô? Allô? Apparemment, Neko Kinshasa azo lobate. Alors, tozongi na Belgique, je pense. Bonsoir. Oui. Aska, bonsoir. Bonsoir, c'est mon frère. Alphonse Madimba. Pardon? Oui, je vous écoute. Bah, depuis Paris. Bon. Décision Bosso Azui, ezali décision malam. Quand Bosso n'a pas décidé, n'a décidé de Batonio Sobalobi, Bosso a décidé. Okay. La majorité, ezali Bato yo bavotaki Kadima. Eza Bato yo. Bloquer toute la République comme ça. Il faut moi dictature, ben Ekota. Et Sengeli, Félix. Uh-huh. Oui, allez-y. Pour ce qui est loyo, et salamité, kakabatu ya senko wana, bango bako baluka, bako lobanini, bango wana bako baluka, oh, Félix azo sala glissement. Non, Félix, bango nde batu bazo sala glissement. C'est eux qui sont en train de mettre les bâtons de les roues pour qu'on ait du retard. Okay. Ambassadeur y a États-Unis, ambassadeur y a France, y a Allemagne, ils n'ont rien à faire dans la politique intérieure. Bako yuko pekisate. Batika. C'est eux qui nous ont pondu la CENI. Et pas Inabango, ils allaient aux États-Unis, ils allaient en France, ils allaient en Allemagne. CENI n'existe pas. Et ils nous ont. D'accord. Apparemment, dès qu'on a vu ça accueilli, il y en a qui font des appels normaux, mais tous en a nous de Komoko. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonjour. Je suis à l'émission. Vous êtes en direct, allez-y oui, rapidement, allez-y. Oui, moi c'est monsieur Faustin Boité. Oui, monsieur Faustin. Je suis à Charlotte. Oui, Charlotte. Bana Charlotte, je vous salue. Moi, je trouve que la décision de Bosso est correcte. Parce que nous ne devons pas suivre les humains. On ne peut pas continuer à suivre. Ce qu'on fera, la contestation est tout à fait normale. Dans la démocratie, c'est comme ça. Donc, ils ont raison de ne pas accepter Kadhi. Ils ont raison. OK. Hein? Et on ne peut pas. Tout un pays ne peut pas s'arrêter à cause des individus. Qui veulent bouleverser toutes les choses. Ils ont un agenda caché. Alors, on ne peut pas. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et je profite ici pour saluer tous les amis à North Carolina qui suivent cette émission. Alors, nous allons retourner en Zambie. Non, Zambie. D'abord Londres, et puis Torozong et la Zambie après. Bonsoir. Allô? Allô? Non, notre ami de Londres, Nazo Kayote. Alors, Tozo Anano, Bandeko Yazambi, bonsoir. Allô? Je dois préciser ici que Tozo Anaposa Yamalobanaïo, si vous appelez, éloignez-vous de votre télévision. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir, madame. J'appelle à partir de la Zambie. Je m'appelle Liliane. Oui, madame Liliane, je vous écoute. Nous vous écoutons, allez-y. Je suis contente. Je suis contente comme Kadima est passé. Vraiment, il faut que nous, les Congolais, que nous puissions changer, hein. Il faut voir la qualification de la personne. Non, je ne sais pas comment est-ce que les gens
ils sont en train d'être tergiversés parce que la personne, quand la personne est compétente, on n'accepte pas. Nous, on voit la qualité. On veut que notre pays puisse aller de l'avant. Mm-hmm. Hein? Ces gens-là, ce sont comme les chiens aboient, la caravane passe. Nous, la caravane passe. La caravane passe, les chiens aboient, la caravane passe. Merci beaucoup, maman Liliane. Merci, mes salutations à tous les Congolais qui vivent en Zambie. Ok, merci. Merci, bonne soirée. Alors, vous êtes nombreux en Zambie qui suivez nos émissions. Je vous salue à travers Madame Liliane. Bonne soirée chez vous. Nous allons retourner à Londres cette fois-ci. Alors, ban à Londres, vous allez belé, n'allez fort, ban à Londres. Oui, allez-y, bonsoir. Ok. Bonsoir. Oui. Oui, juste, je voulais seulement que non, le baboué. Diminuer notre volume, il y a téléphone. Diminuer notre volume, il y a retour. Nazoyoka émission et pas une ayoko. Ah, ok. Diminuer notre volume. Londres, il est marié. On est quand même posé cette question que non, il y a des ambassadeurs d'Angleterre, de Belgique. Oui. Allemagne, des États-Unis, ils cherchent maintenant pour aller voir. Pour aller voir Papa Simon Kimbangu Nkamba. Pour aller voir le père spirituel de Kadima à oui, Kamba. Oui, oui. Mais ce n'est pas à eux d'aller maintenant voir. Ce n'est pas d'aller voir le père spirituel de Kadima. Mmh. Mais qu'est-ce qu'ils sont là à gagner là-dedans? Ok. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont comme l'avantage? Parce que ce que le Congo est en train de faire, c'est l'aboutissement. Hein? Mais ni Kadima, ni si il était des catholiques, il allait voir les monseigneurs. Le problème est là que même le père spirituel de Kadima, il est content d'avoir un enfant d'un pays à la tête pour bien organiser les élections dans notre pays. Mmh. Le président Fadi sera d'accord avec Kadima. D'accord. Le président connaît bien le père spirituel de Kadima. Il n'a pas d'excuse à Fadi devant Kadima. Il a toujours que ok pour Kadima, que ce que nous voulons que notre pays aille de bonnes personnes à la tête. Je ne m'arrête pas là. Merci beaucoup. Arrêtez-vous par là. J'ai compris votre souci. J'ai compris votre analyse. Alors, je comprends. On peut aller peut-être faire un tour encore en RDC. Non, avant la RDC, nous prenons les États-Unis ou les Canada. Mais il y a quelqu'un qui nous dit ici, à l'Obi, OESA émission Yabaluba. Je ne sais pas. Puisqu'on parle de Kadima, c'est la CENCO qui avait proposé Kadima. Chers amis, si vous amenez ce genre de débat, c'est trop bas, vraiment. Puisque, rappelez-vous l'histoire de Kadima. Quand l'Église catholique est venue, elle a proposé 4 personnes, les meilleures. Parmi les 4 personnes, la première personne était Kadima. Je ne vois pas le problème de Baluba ici avec l'Église catholique. Merci beaucoup. Nous allons prendre... les États-Unis. Ah, bon, on prend encore Londres. Waouh. Londres, oye, Marie, allô, Londres, oye. Alors, ban à Londres, je vous écoute. Merci beaucoup, papa. La émission, nous allons en direct à WhatsApp. Oui, allez-y. Mboso, à se comporter en tant que responsable. Babouzo, bagnon, soutouvi. Pour moutignon, soigna, bivaga côté, on a la bouille. On a la bouille. Yo boy batumi balé batoui batusis ba bandimi ariolo batete donc c'est une erreur soki pesambo tumbo fa pesa ba mususu délé elle n'est une erreur ma kashi elle est hakeza la erreur c'est vraiment tant ouais à se comporter en tant qu'irresponsable. Comment est-ce qu'on peut aller un pas en avant si on botte la mission 2 pas en arrière tout à reculons? Ça n'a aucun sens. Merci beaucoup. Et l'accent clairement blablement, nous sommes aujourd'hui, tout le monde clairement que mauvaise foi, ils arrivent à battre catholique. Mauvaise foi, ils arrivent à battre catholique. Ça, c'est très bien marqué. Alors, merci beaucoup, mon frère. Toti Kapé, Bandekomoussou, soutenez-vous. La mauvaise foi, là, Bandekomoussou, la poto. D'accord. Félicitations, Mboso, félicitations au pays, que vive le Congo, que vive la démocratie. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, mon frère. Merci
dès qu'on a vu ça, lobby, c'est la démocratie qui est en train de se... Alors, nous allons en RDC. Non, RDCP, Kati, tous ont l'issus à Londres. Non, bah à Londres. Je vais vous donner un cadeau. Si vous continuez comme ça, je vais vous donner un cadeau. Donc, cette émission est plus suivie à Londres. Bah à Londres, merci, merci, merci. Un million de merci d'abord. Alors, bonsoir, mon frère. Bonsoir, Ashka, bonsoir. Vous êtes à Londres, n'est-ce pas? Yes, on est à Londres. D'accord, on vous écoute. Voilà, donc pour moi, je pense que la solution a été trouvée parce qu'on on tient à organiser les élections okay. en 2023. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas attendre pour satisfaire tout le monde parce que de toute façon, dans ce pays-là, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Non, impossible. On doit ça, avancer, on doit avancer. Et les gens qui accusent Mbosso, mais est-ce que ils se rendent compte que Mbosso a donné, je ne sais pas moi, 3 ou 4 fois. Il a donné des apesiba banal bayokana, apesiba 72 heures, 48 heures, encore 72 heures. Mmh. Le temps est passé. On ne peut pas satisfaire tout le monde. En tout cas, moi, je pense qu'il faut avancer. Et la prochaine étape, c'est la loi électorale, l'installation à CENI. Comme ça, les choses vont avancer. Parce que si vous voulez satisfaire tout le monde, en tout cas, dans la RDC, ça ne se fera jamais. Le consensus, c'est dans les lois, c'est dans la constitution, c'est dans les règles qu'on a trouvées. Le reste est là. C'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, le consensus, c'est antidémocratique. Donc, c'est impossible. C'est comme si on dit « Batignon, Soban, Dimelo, Romoro ». Non, c'est pas possible dans une société. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Merci beaucoup, mon frère, pour votre avis. Dès qu'on a vu ça, lobby, c'est impossible de satisfaire tout le monde. Satisfaction, il faut essayer de maintenant en parler. Mais c'est ça un peu ce qui dérange. Dès qu'on a vu ça, lobby est le côté. Ils sortent maintenant dans la rue pour le réclamer dans la rue. Alors, nous allons en Afrique du Sud. Bonsoir. Allô? Nassi Nazuyoz en ligne, allez-y. Désolé, ok. Bon, Nassi Nazuyoz qui est à partir de l'Afrique du Sud. Quand vous appelez, il faut diminuer le volume. Nayo, et puis, comme ça, tu es bien. Alors, Tokéi na Suède ou. Bonsoir. Bonsoir, c'est Patrice Moudingaï. Depuis quel pays? Patrice Moudingaï. Suède, la Suède. Suède, oui, allez-y. Ouais. Nanga participation na na lobaka moke na na lobaka en tout cas il faut ba kozwa ba disposition pour na ko changer makambo ba confection religieuse ici là. Ici là est l'endroit. Donc ça c'est mon avis hein. Ça aussi c'est mon avis. Biloko ba longola on était depuis biloko il y a depuis conférence il y a conférence inter je ne sais pas moi il y a Afrique du Sud wana. Depuis donc ça, c'est mon avis aussi. Allez-y, Patrick. Donc, tu n'as pas confiance en toi, mais ça m'a dit que tu es un peu. Parce que tous les loukouta vraiment, ce qui est un peu de l'obaboué, a commis un peu de l'obaboué. Donc, comprendre que loukouté est l'équipe. Donc, tu n'as pas considéré que tu es un peu de vraiment, merci, participation. Merci beaucoup, Patrick. Mes salutations, on a bandé Koutou. Il y a Suède. Alors, nous retournons aux États-Unis. Koyokapé, diaspora congolaise dans les États-Unis. Bonsoir. Allô? Oui. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Ashka. Oui. Bonjour, oui. Allô, bonjour. Je vous écoute. Vous êtes en direct, allez-y, je vous écoute. Allô? Problème, il y a église. Oui. Oui, il y a un problème. Apparemment, la ligne n'est pas bonne. Nous sommes obligés de vous... Allô? Oui, allô. Problème. D'accord, si vous pouvez arranger la ligne. Tozo Mamouké na RDC, bonsoir.
Bonsoir, Aska. Bonsoir, mon frère. RDC, depuis quelle province? À Kinshasa. Kinshasa. Mboudi. Kinshasa Mboudi. Votre réaction. Norbert Moukalaï. Votre réaction à chaud. Bon. Basango, Bakitabamata. Oui, c'est Salami. Salami. Tous les cas, le président a signé l'ordonnance de Makambo Sili. Bango, va y avoir une religion d'État T. Nous sommes un État laïque. Non, tout ce qui vient de se faire, ça doit aller jusqu'au bout. Bah, il va qu'il échoué. Et nous jamais été pour le peuple congolais. C'est quoi, bah, il va un Congolais vrai d'origine, il faut en tout cas avant de boycotter l'action bah, catholique. Merci. Mais est-ce que vous avez une réaction à côté à Katumbi qui menace quitter déjà l'Union sacrée? D'abord, d'ailleurs, une partie est déjà partie. Bah, Moussous Bazo, Bazo, Mukena. Est-ce que vous avez une réaction à ce niveau-là? Je vous dis, moi, je suis à Kinshasa, mais je suis Katangé d'origine, oui. De père et de mère. Uh-huh. Alors, Katumbi n'est pas congolais, c'est pour ça qu'il est en train de faire des bruits. Alors, ça m'a quitté la Pamba, m'a quitté la Wenze. Il n'est pas congolais. Après, il y a la place de. Lui, il veut protéger de ma père. Il y a un lien de la présidente de la République pour que nous nous sommes la sécuriser. Katumbi n'a rien à voir. Voilà, il faut l'oublier. Il faut tomber au salarié. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci Mbote Nabandekotou, à Kinshasa, Obazo, Landabiso, à partir de Mboudi. Merci beaucoup. Merci na Sepeli. Biso Peto Sepeli. Alors, États-Unis, on est de retour au USA, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Il y a un problème de la concernant l'Église catholique. Oui. Ouais, Batumingi va y barater que l'Église catholique est poufa. Na losatiro batu bazaranango na mutu wana que l'Église catholique est zarasu na forme wana te. Et au monaga, na ba action na ba on nion so basa la gaza la gola batu bazo forcer note. Ya au monaga, comment utiliser ba l'okuta, ba makambo. L'Église catholique est prendra fait depuis Pape Jean-Paul II. Aux hommes, dans le satire, tu vas canisser que l'église catholique est là comme église boué boué. Église catholique est koufa kala. C'est vrai ça. Comment on a oui, papa souka, ou a pour ma église catholique et à pape Jean-Paul II, né à commissaire et comment église catholique pendant ce qu'on est val et van la franc-maçonnerie. D'accord, merci beaucoup mon frère. Et puis, Tosepelin à point de vue. Merci, bonne soirée ou bonne journée, puisque vous êtes aux États-Unis. Merci beaucoup, notre partenaire Anindala depuis Londres. Merci, depuis Londres, je pense bien. Alors, nous allons en Afrique du Sud, Comment vous avez accueilli cette confirmation de Denis Kadimata par le Parlement? Bonsoir. Allô? Allô, Aska? Oui, bonjour. Bonjour, Aska. Bonjour, retirez-vous d'abord de votre télévision, de votre téléphone ou tablette, puisque là, les retours de l'émission nous parviennent jusqu'ici. Ok, je pense que ça. Oui, allez-y. Bonjour, Aska. Oui. Je vous écoute, allez-y, mon frère. Désolé, ça c'est la deuxième fois que je tente de vous donner la ligne, mais apparemment, vous êtes un peu distrait. Merci beaucoup d'avoir appelé. Alors, nous retournons en Belgique. Bonsoir. Oui, bonsoir, Aska. C'est Alphonse Madimba. Bonsoir, monsieur Alphonse. Je vous ai appelé sur WhatsApp, ça n'a pas passé. Pour le week-end, il y a une connexion Katanaki. Il y a un zoom qui part la voix normale. Ndoyi. Oui. Nalandi, Nayoki, décision Mboso a joué, il fallait que Mboso a décidé. Mboso a décidé. Nenga a décidé et ça allait très bien. Ok. Batuya Senko, Nabatuya SCC, ce sont des margoulins. Ils ont. Babosaniki,
moto azali ko organiser seni moto ya apesa ki charge ya à suivre bango ezali mboso. Ils lui ont manqué du respect. Combien de fois mboso a accordé bango ba prolongation 72 heures par-ci, 48 heures par là. Et ils n'ont jamais pu respecter. Leloyo a intériné Kadima, c'est très bien. A intériné en fonction de l'élection, il fallait respecter la loi des majorités. Alors, ma question, est-ce que vous pensez que Tshisekedi peut valider Kadima? Connaissant peut-être Tshisekedi, Félix. Sincèrement, il va valider. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il va valider. Oui. Il va valider. Peut-être qu'il peut nous surprendre aussi autrement. En plus, il faut avalider. Okay. C'est une façon aussi à s'affirmer, il faut avalider. Hein? Les prêtres là des Cinq Ans, ils ont mis beaucoup les bâtons dans les roues à Félix. Donc, il faut avalider. D'accord. Merci. Ce qui a validé, c'est allé commenter qu'aucun des contre-constitutions, il n'a fait que suivre Ndenge Batuya. Ma concession religieuse, il faut pas respecter loi Nabango, organisation Nabango. Donc, il faut valider. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, mon frère. Mes salutations, Nabana France, tout. Oh, Balingi, émission Oyo, Baibisan Babiv, en France. Ndaku après Ndaku, toujours dans HK Today. Nale Libino grave, Bana France. Je vous aime bien, je vous adore. Ndenge n'adora Kabana ya Londres. Ndenge pays, Bana Afrique du Sud, vous êtes nombreux. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Et nous continuons toujours, chers amis. Nazwana Nonde Konangai, Serge Kokila, Oyazali, membre partenaire ya émission Oyo. Depuis Allemagne, je pense. Hein. En Allemagne, quand même, ils sont représentés par mon frère Serge. Bonsoir. Bonsoir. Non, c'est pas Allemagne, Strasbourg. Strasbourg. Voilà, Strasbourg, na Paris. Na France. Bonsoir, Ndeko Ashka. Bonsoir, mon frère Serge. Ok. Papa Ashka, non, il y a le Baboya. Oui. Du fait que l'Assemblée nationale, M. André Mbatt avec son équipe, ils ont décidé de remettre la conclusion de leur travail au niveau de l'Assemblée nationale par M. Mbosso. Oui. Ce n'est plus question de faire marche arrière d'aller discuter avec la Cinco. Parce qu'au départ, tout ce qui est négocié, sur l'Ola, et tant que le prêtre, baza a beaucoup de maturité et sagesse, oui. Ils n'ont pas voulu négocier. Et aujourd'hui, nous tous, on a compris que la Cinco ne joue pas pour l'intérêt de la population congolaise, mais baza qu'on joue pour l'intérêt d'abord, parce qu'ils ont quelqu'un d'autre dans leur tête, où baza on va positionner la place, il y a président Félix, parce que ma déclaration à chaud, les a déjà mabé Koloba, nous voulons voir l'alternance en 2023, alternance, il y a beaucoup de monde à Nîmes. Donc, quand vous voyez ces messieurs chaud, c'est un vrai menteur. C'est un menteur. Regarde, en 2018, il n'a mêlé la confession à la population congolaise en nous disant que c'est Fayulu qui a gagné des élections. Mais ce monsieur n'a jamais fourni de preuves, ni la justice, ni la Fayulu qui prétend être le gagnant des élections. Après ça, par vrai résultat, on tire le guimaté. Le même chose aujourd'hui, il vient nous dire que monsieur Kadima approche à président, ils ont des preuves, menaces. Il n'est incapable de fournir ses preuves. Ni pas président, ni la justice. Donc ces gens-là, ce sont des menteurs. Donc pour moi, plus question de faire marche en arrière, on va de l'avant, point barre. En 2018, IDP, en 2011-2006, IDP, ça a coûté à Tikala, là, mais le Tchessalama, Makambo Kenda. De la même manière, ceux qui ont fait tout le signé, le ciel ne veut pas tomber, on va continuer. Donc pour moi, plus question de faire marche en arrière, on avance, point barre. Parce qu'on ne peut pas se soumettre à deux personnes, deux églises seulement, bâtir tout le pays en chaos parce qu'ils veulent que tout satisfaire besoin de Bango. Les prêtres et les catholiques, ce sont des mafieux. C'est pourquoi la prochaine élection, moi je demande au président de la République, va détruire le Conseil à 5 ans, va remettre l'élection présidentielle, il y a beaucoup, il y a ministère, il y a intérieur, point barre, comme ça se passe dans tous les pays. Voilà ma contribution, mon frère. Merci beaucoup, Neko Serge. Serge Aza, partenaire Nabisso. Parmi mes partenaires, donc quand je respecte les partenaires, Baza Bateu, Bassa Larakeshenoé vivre. Donc, merci beaucoup.
cher Serge, le colosan à Strasbourg, peut s'en aller à Maman Liliane Mbote, Maman Liliane Visa. Alors, Tokéine à Canada, qu'on retrouvait un autre partenaire qui insiste, et d'ailleurs, on doit lui donner la ligne. C'est Monsieur Jonathan, bonsoir. Bonsoir Ashka, bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis très content d'être dans l'émission. Mm-hmm. Alors, rapidement, pour, avant de répondre aux questions, nous disons merci à tous ceux qui contribuent et participent dans l'émission. Nous sommes vraiment reconnaissants. Il y a au moins 3, 4, 5 personnes qui ont donné. Je pense qu'à la fin de l'émission, vous allez énumérer leurs noms. Nous encourageons tout le monde à participer parce que ici, c'est l'information qui est vraie et en temps réel. Merci beaucoup. Merci. Alors, ce qui concerne la question de Kadima, oui, Kadima va être retenu. Pourquoi ? Un, parce qu'il est compétent. De deux, il a de l'expérience. Donc ça, ce n'est pas à discuter. Alors, concernant Cholet, Ambongo et toutes les autres, je pense que nous devons être clairs là-dessus. Cholet et Ambongo, premièrement, ils doivent être excommuniés de l'Église catholique. Excommuniés, pourquoi ? Oui, je vais faire une lettre ouverte envoyée directement à Rome, au Saint-Père. Mm-hmm. Parce qu'ils se comportent comme des califes. Nous ne sommes pas en Iran, nous ne sommes pas en Irak, où c'est la religion qui doit dicter la destinée de tout un pays. Alors, Cholet, Ambongo et tous ceux qui marchent en parallèle avec eux, pour moi, ils doivent être indexés à ces groupes terroristes tels que les ADECO, tous ces autres groupes-là. Mm-hmm. Parce que ça fait plus de 60 ans que nous avons l'indépendance. Maintenant, nous avons un pays où nous voulons faire asseoir des institutions. Nous voulons que les principes soient respectés. Oui. Voilà que ceux-là qui ont pointé hier les autres étant des médiocres, aujourd'hui, ils se révèlent eux-mêmes de médiocres. Ils se mettent non pas pour aider, non pas pour amener des solutions, mais plutôt pour alourdir ce processus que nous avons tant entendu et cherché par tous. Donc, je pense que le peuple est assez mûr, nous sommes assez mûrs, nous comprenons, nous voyons où nous savons qui est en face de nous, qui fait quoi, qui dit quoi. Je pense qu'on doit évoluer. Oui. Ils doivent aussi se rappeler que l'article 70 n'a pas changé, n'a pas été amendé. Cet article reste tel qu'il est. D'accord. Nous devons finir avec le problème de la CENI. Nous devons aussi faire le comptage. On doit savoir qui est congolais, qui n'est pas congolais. Qui le recensement et l'identification. Le recensement, voilà l'identification. Donc, je pense qu'on doit évoluer. Et à ce point ici, oui, le président va accepter, entérimer et... je pense que le processus Mbosso est assez sage. Il a pris une très bonne décision. Est-ce que peut-être une question pour terminer, pour reprendre l'antenne. Est-ce que vous voyez des conséquences si Moïse Katumbi se retire du processus électoral et de l'Union sacrée? Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Si Moïse se retire, il n'y aura pas de conséquences. Pourquoi? Parce que Moïse et ceux qui sont avec lui, ne sont plus ensemble. Ils ne parlent plus la même chose. Ils sont divisés. Donc, d'accord. Moïse se retirant, le Congo sera toujours fort et le Congo va évoluer. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et toutes les bonnes merci choses. Merci toi. D'avoir appelé. Merci de votre contribution très riche. Je vous aime bien et puis je vous salue. Chers amis, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous sommes en train de crever et puis savoir qu'est-ce qui se passe après que Kadima soit confirmé par le Parlement. Le Parlement est divisé. Est-ce que vous voyez des conséquences qui viendraient peut-être du côté Église catholique qui dit toujours jusque-là niet et promet des marches? Est-ce que vous voyez des risques du côté Moïse Katumbi? Est-ce que vous voyez les risques de ne pas organiser les élections crédibles en 2023 avec Kadima? Est-ce que vous voyez Papa Simon Kimbangu écouter la communauté internationale qui va les voir d'ici, je crois, 5 jours? Voilà un peu, l'antenne est ouverte aujourd'hui.
pour vous écouter. Mais je dois ici rappeler une chose. Bandekoya, Moïse Katumbi, je vois il y a déjà une bonne dizaine de personnes qui se déclarent retirées. Ils se disent, nous nous retirons de l'ensemble. Alors, mais si il y a un déconabiso Moïse Katumbi, menace de quitter les présidents de la République. J'ai posé la question, est-ce que bon moni, est-ce que moi conséquence mauvaise allée? Bon, toi, dit que Motu Eza, moi je l'ai toujours dit ici, c'est son habitude de quitter toujours les gens. Il a quitté Kabila. J'ai même mis une photo ici où il a des t-shirts, il y a Kabila, il signe. Tolali, Tolamouki, il quitte Martin Fayoum. Et en même temps, maintenant, a commis bras dessus avec l'Église catholique. Chers amis, moi, je dois vous rappeler ici que si Moïse Katumbi n'était pas bloqué par Kabila à l'époque, il serait le candidat de l'Église catholique. L'Église catholique a appuyé Martin Fayoulou malgré elle. Malgré elle, elle a appuyé Martin Fayoulou sur les recommandations de ces messieurs. Mais je dois vous donner une révélation. Moïse Katumbi a fait un tour aux États-Unis. Je dois ici, je l'ai dit, et aujourd'hui, retenez-le encore. Moïse Katumbi ne postulera jamais. Bon, enfin, peut-être plus tard, mais pas en 2023. Pourquoi? Puisque les Américains lui ont dit clairement, bah, il sait que toi, pour l'instant, on ne peut pas te soutenir en lieu et place de Tshisekedi. Yona Kabila, vous avez un carton rouge pour l'instant, puisque vous avez vendu de l'uranium à Corée. Chers amis, acceptez cette information que je vous donne avec 99% de précision. Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont vendu l'uranium à Corée. Je pèse mes mots, je parle aux États-Unis. Si je mens, je sais que tous les services de renseignement y sont sûrement quand même. Et rien ici ne se passe sans que... Alors, quand Moïse Katumbi ont vendu l'uranium à Corée à Joseph Kabila, il n'a pas été clair avec Joseph Kabila, à Mela Joseph Kabila là. D'abord, du côté des États-Unis, Pesa Bango, moi, Pozoana. Les États-Unis ne sont pas prêts à soutenir ni Kabila, ni Moïse Katumbi. Ça, vous devez le savoir aujourd'hui. Tous ceux qui chantent là. Moi, Nazole Laming, Ndekonanga et Claude Lubaya. Quand il arrive jusqu'au niveau, il y a. Bon, enfin, je dois terminer ça. Voilà pourquoi Joseph Kabila a traité Moïse Katumbi de Judas. Judas a kenda na mbongo na mokongo, il peut a kenda mbongo. Naibite. C'est pas pour rien. Il a trahi Joseph Kabila puisqu'il n'a pas ramené mbongo tout ndenge bazalaki na projet na bango. Voilà pourquoi Moïse Katumbi, appuyé par les Glencore, par tous les miniers là, Kabila prend maintenant la décision y a qu'on faire sauter Bango. Tous ceux qui l'ont appuyé dans Dengbali Ayela, il prend la décision de changer les codes miniers. Narobet Labino version, il y a peut-être Nan Boyokate, mais Narobet Labino version, on a nion ce mobimba Nango. Code minier, c'est une punition, c'est une réponse à Katumbi na Bamasanaye, nion ce minier qui pille la RDC. Kanda y a Joseph Kabila Yango. C'est pourquoi Bomoni, il est soutenu par l'Église catholique qui tenait à tout prix que Aya ko dirige Mboka. Kabila Alobi, niet. Mais tout ça, moi, je donne na pesa ka tort na président Félix Tshisekedi. Na minute, la question de la démocratie, monsieur le président de la République, je ne vois pas où est-ce que vous allez avec cette démocratie-là maintenant. Il fallait Katumbi avant d'Ananouana. Il fallait Katumbi avant d'Ananouana Europe. Il fallait Katumbi Azalanan sans passeport congolais, puisque Katumbi Naminito, puisque les jours où notre diaspora nous serons organisés, moi je sais que la plainte est là. Peut-être que je serai l'auteur de cette plainte. J'ai ici la confirmation de l'Italie qui dit que Katumbi était citoyen italien de 2000 à 2017. Les Ramon pression et les Kina Kinshasa, Kabila bloqué porte à tiki nationalité italienne a commis la nationalité congolaise. Mais pendant qu'il était italien, il a postulé comme président,
il a rempli les formulaires d'être gouverneur de la province du Katanga, na fraude. Puisque la nationalité congolaise, constitution Nabiso est tellement jalouse et le biboui. Une fois, notre nationalité ne peut jamais se tenir concurremment avec une autre nationalité. Une fois que vous optez pour une autre nationalité, jusqu'à aujourd'hui, nan ba changer en route. Dès que vous avez une nationalité italienne, automatiquement la nationalité congolaise tombe. Et puis pour reprendre la nationalité congolaise, ce n'est pas du tchikotak. Natiki italienne, nazongi automatiquement congolais. Non, il y a tout un processus à suivre. Je voudrais bien savoir, na formulaire Moïse Katumbi Tchaki pour postuler comme gouverneur il y a Katanga, il avait mis qu'il était de quelle nationalité? Parce que pendant ce temps, un document officiel de l'Italie, j'ai ça ici, confirme qu'il était citoyen italien pendant 17 ans jusqu'en 2017. Soit Katumbi a géré la province du Katanga la fraude. Alors, est-ce qu'il avait présenté les formulaires en disant « Je suis citoyen italien, voici mon passeport » ou il avait dit « Je suis avec Kabila, c'est nous qui avons le pouvoir, j'ai dit « Je suis congolais » même si je ne le suis pas. » L'État doit répondre, je ne sais pas si c'est Gilles Alinguette ou c'est la Cour constitutionnelle ou Cour de cassation. « Bosungabiso, bolaksabiso » les formulaires qu'avait remplis Moïse Katumbi pour postuler comme gouverneur. Il avait mis quelle nationalité? Voilà pourquoi l'Église catholique tient à tout prix, puisque c'est... hein, ce genre-là était surpris de voir que calcul n'a pas eu sur Simba Kité, il y a un certain Tshisekedi qui sort de nulle part. Donc, ça libre projet n'a pas. Et maintenant, ils ne veulent pas voir Tshisekedi au pouvoir. Même si Kadimate, l'Église catholique positionne à Yébani. L'Église catholique, sa position est connue. L'alternance en 2023. Il parle de l'alternance il y a encore 3 ans. Et Tikali, donc, tu sais qu'il y a 2 ans, il y a mandat. Bango Balobi, alternance en 2023. Et Zalara, tu as mis Pembeni, tu as dit qu'on évaluait, tu as dit qu'on sait la campagne. Non. 3 ans, nous. Libosson Abisso, l'Église catholique souhaite l'alternance. Moi, je pense que j'appelle ici peut-être la Cour constitutionnelle, les ministères de la justice. Est-ce que vous pouvez retirer l'église, les églises d'une manière générale dans ces activités politico, activités politiques, puisque la CENI, c'est politique, tout ce qui est là, une association comme la vôtre, comme la mienne, tous à la Namakambouya, aide humanitaire, activités socio-culturelles, mais pas s'ingérer dans les... Chers amis, ici aux États-Unis, l'Église catholique existe. Alors, comment l'Église catholique était prendre une position en Dengwana? Partout ailleurs, l'Église catholique existe. Mais ah ouais, l'Église catholique a commis comme dirigeant. Bazo pesa menace na parlement balobi. Tout ce que... Attention, si vous osez... Wana Monseigneur Ambon. Non, Monseigneur Ambon, t'es mission Ambon. Alors, chers amis, les choses sont drôles. Je voulais juste mettre cette précision-là. Nous continuons à prendre nos amis qui nous appellent. Nous avons encore quelques 5 appels à prendre. Bonsoir. Oui, en tout cas, je suis très ravi. Je suis beaucoup votre mission. Moi, j'habite en France. Je suis Maman Joséphine. Maman Joséphine, je voudrais intervenir pour dire que je suis la plus heureuse aujourd'hui. J'ai beaucoup de soucis, mais aujourd'hui, en tout cas, j'ai été consolée. Voilà. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le président Mbosso, avec les parlementaires, bien qu'on peut leur reprocher quelque chose, mais ils ont sauvegarder la souveraineté de notre pays. Mm-hmm. Parce que là, quand on voyait les ambassadeurs qui intervenaient, nous, ça nous faisait énormément mal parce que les choses doivent changer. Ça fait très il y a mal, le président qui a sa façon de changer les choses qui ne peut pas être égal à tout ce qu'on a vécu. Donc, nous sommes en train de vivre des moments inédits et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inédit aussi. Je suis très, très ravi et en tout cas, je demande à ce que le président puisse entériner et puisse signer son ordonnance sans tergiverser en tout cas. On est très, très, très contente. Moi, je suis très contente. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Maman Joséphine. Merci et mes salutations à tout le monde en France. Donc, Maman Joséphine, faites la victoire. Elle dit quand même, Tobinina,
hein, Tobimi na Likambo tout à la Kinango. Voilà un peu les parlementaires derrière moi. Merci beaucoup, maman Joséphine. Et bonne soirée, bon week-end. Chers amis, voilà un peu la situation. Kadima Denis, confirmé président de la CENI, mais il y a toujours et encore des contestations partout. Qu'est-ce que vous dites là? Il y a beaucoup d'amis qui nous font des commentaires. Merci. Alors, vous dites s'il faut que je prenne quelques commentaires. Merci beaucoup à Honorable Jamoutala. Merci à Maria Mana Londres. Merci aussi à Paul Boavida. Merci à Maman Annie Mona Canada. Elle dit Bisopé Bana Canada. Comment est-ce que Oruko Bosanabino? Non, Maman Annie Nabosanabinote Bana Canada. C'est vous qui faites Bino Naebi Bosama Kasi Naebi Pouana Bino dans cette émission. Alors, chers amis, Denis Kadima m'a confirmé. Est-ce que vous pensez que les choses pourront évoluer dans la paix? Je pense que nous allons attendre les jours à venir pour trouver une solution et savoir comment, qu'est-ce qui va exactement se passer. Et ça va nous aider à comprendre l'évolution des choses. Alors, pour l'instant, je souhaiterais qu'on s'arrête par ici avec cette situation de Denis Kadima. Denis Kadima confirmé président de la CENI par les parlements. Et malgré les contestations, maintenant, nous allons attendre la balle dans les camps du président de la République. Est-ce que Félix-Antoine Tshisekedi va prendre une ordonnance reconnaissant Denis Kadima comme président ou il va écouter certaines structures politiques qui se disent non satisfaites? Est-ce que ça va être le cas ou on va avancer maintenant vers les élections? Puisque lui, il a toujours dit conséquence dans son propre parti. Nous, on s'en fiche. Là, c'est Paul qui dit du côté Katumbi, s'il y a peut-être des conséquences, c'est dans son parti politique et non dans la population congolaise, puisque l'essentiel est fait. Bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Papa, na lingina pe sakaka na lingina pe na lingina contribuer muke. Comme on a ngai Denise na bengi à partir ya Londres. Oui. Ngena lo baboye papa moni ba toi église catholique ndenge bazolo pa toute l'église quand même. Mutuwa soki ambongo la chole tout ça. Et loko bazolo ba papa soki ba tola bazaki na batu. Balga basala nani soulèvement populaire bandaka la président ngaka azali tout pouvoir ti. Bazana eloko ko sala ti. Lelo ndenge basali ba intérimé papa Kadima. To lingaki to mona population ba bazana nango donc il chasse leloko Congo mobimba. Il ngaki tele melo bi kele bi kete to boy to lingite. Mais comme la population est calme, c'est total à to ko mona eloko ni bango ba ko sala. Et où est la population dans tout ça? C'est quel peuple, l'autre est quel peuple, parce que tout le monde est d'accord. Mais tout ça, on est vraiment fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? On est fatigué. Merci beaucoup, maman. Bonne soirée à Londres. Merci pour votre appel et toutes mes salutations. Bon week-end à tout le monde. Alors, encore Londres. Non, ban à Londres, les lots. Coup de chapeau. Oui. Alors? Bonsoir. Oui, allô, monsieur. Allô, bonsoir. Bonsoir, message. Mais bonsoir, mon frère. Allô? Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Tom. J'appelle à partir de l'Angleterre. Je voulais participer à donner un peu mon point allez-y, de vue. Allez-y, vous avez déjà la parole. Allez-y. Ouais, point de vue. OK. Ce que moi, je voulais dire, nous, on est tous contents. C'est que je crois la maman ou la sœur qui vient de passer, elle a dit une chose très importante. Dans la politique, il y a ce qu'on appelle le rapport de force. Si vous vous souvenez bien, après les événements de Kodjo, tout consort, oui. Ce qui a balancé, ce qui a fait peur au régime Kabila d'aller à Saint-Sylvestre, c'est les événements des cartons jaunes. Oui. Il y a eu
l'IDPS a demandé qu'il y ait marche et qu'il bout a fait une erreur d'accepter ces marches, bien que c'était on l'a interdit à demi-journée, mais cela a fait balancer où le pays était, comment dire, le pays était resté en arrêt pendant 3 semaines. Tout le pays. Parce que quand on parle aujourd'hui des Fayulu, on veut dire la popularité, les gens oublient, les Congolais ont la mémoire, ils ont la mémoire des moineaux ou comment. Il y a ce qu'on avait dit, il y avait une force de telle façon que la Kabylie a reculé. Maintenant, moi, je me demande, qu'est-ce que les Sango vont faire pour faire basculer? Parce que pour actuellement, ce n'est plus le cas, on était presque tous à l'unanimité que Kabila devait partir. Mm-hmm. Et la situation n'est pas la même. C'est que les gens oublient. La situation n'est pas la même. Tshisekedi n'est pas égal à Kabila. Et vous verrez même la même politique qu'on a menée contre Kabila. Ils veulent mener ça avec Fatih. Or, qu'ils savent que Fatih a une grande popularité. Que ce soit au pays, que ce soit à l'extérieur. Et les gens oublient ça. Moi, je ne vois pas comment est-ce que les Sango vont s'en sortir de cette situation. On va intérimer. On a vu aujourd'hui ce qui s'est passé. Ça, c'est un carnaval. Ça, c'est pas une marche. Ils ont fait une balade. Ça, c'est une balade. Comme si, quand mon pote revenait du voyage, et puis ils partent, et puis, c'est pas une marche. La marche doit faire peur. La marche doit faire peur. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est une balade de santé qu'ils ont fait. Et c'est passé aujourd'hui. Maintenant, là, on n'en parle même pas. Une marche de parti, oui, une marche de santé. On n'en parle même pas. C'était passé. Les gens se sont. La marche doit faire peur au régime. Ça, ils ont fait la marche et au même jour, on a intérimé. Cela veut dire, ils n'ont rien. Et les Sango, moi, je vais vraiment voir comment est-ce que le prêtre va mobiliser et faire peur au régime. Parce que les intentions ne sont pas mauvaises. C'est que Tshisekedi a à voir tout le monde. Les Congolais voient que le président a cette volonté que les choses aillent mieux. Là, tout ce qui, il y a rien qui peut, il y a rien qui peut faire gagner le président Félix que les actions qu'il est en train de mener. Il peut avoir les Katumbi, on n'a pas à voir les Katumbi tout autour de lui. C'est qui va, le bien qu'il va faire au peuple congolais. Ce sont les mêmes peuples qui vont détruire, qui vont chasser ces Katumbi, tous les autres. Ils ne sortiront même plus dans la rue. Parce qu'ils vont verrer ces gars, ils veulent pas notre bonheur. Parce que c'est le cas. Il est ici, il fait que nous vivons mieux et il veut nous faire des bruits. Ils vont les chasser tous. Le président n'a qu'à concentrer sur les projets de développement du pays et faire avec de tout son mieux que l'Union sacrée se concentre sur tout ce qui est. Ça va, merci beaucoup mon frère. Merci, je pense que votre message a été déjà entendu. Chers amis, pour terminer avec cette émission, je pense que l'essentiel a été fait aujourd'hui au Parlement. D'un côté, il y en a qui soutiennent cette position du Parlement de pouvoir valider Kadima. De l'autre côté, il y a des frustrés, notamment l'Église catholique, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et les autres, les FCC et les PPRD. Et comme vous l'avez dit, il y aura toujours des contestations parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Moi, je pense que vous aurez des analyses, des analystes là, vos analystes. Bon, pas vous, vous avez un analyste honoré en qui vous croyez. Mais il y a d'autres analystes là qui sortiront pour vous brandir les cartons, les tribalismes. J'ai vu ça, il y a des gens qui viennent et ils disent, vous les Baloubas, vous, ceci, vous allez prendre les élections en otage. Moi, je ne vois pas ce que les Baloubas viennent faire ici. Et tous ceux qui ont parlé, il n'y a pas qu'un de Baloubas. J'ai vu, j'appelais, j'ai demandé aux gens leur nom pour savoir combien de Baloubas sont allés chercher Kadima et puis les mettre à la CENI. Chers amis, oublions ces histoires-là. Je vois vos journalistes-là qui sont vos fameux journalistes, puisque moi, je ne les considère pas comme journalistes. Les journalistes contribue au développement de son pays. Ça, c'est la première des choses. Les journalistes et bâtisseurs de la paix, c'est la deuxième des choses. Et les journalistes est appelés à soutenir et ne pas être source de conflits. Mais quand vous-même, vous sentez que ce que je fais, je provoque un conflit pour ceci, pour cela, puisque aux armes, allez-y, vous les écoutez, ils vous diront beaucoup de choses. Ils vont chercher maintenant tout ce qu'il y a comme faiblesse. Mais vous avez tranché. Dans cette émission, je n'ai pas vu quelqu'un qui a parlé pour dire « je suis contre cette position ». Tout le monde est fatigué du processus ici. Tout le monde est fatigué de la position de l'Église catholique. Tout le monde est fatigué de la position de Moïse Katumbi. Tout le monde qui a appelé aujourd'hui dans cette émission
et fatigué de tous ces comportements-là. Est-ce que nous allons continuer à rester sur place pour un petit groupe de gens ou on va faire avancer le pays? C'est ça un peu la situation. Je pense que vous avez parlé, je suis content de vos appels. Merci de nous avoir fait encore une fois confiance. Si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, chers amis, je vous demande avant de quitter de vous abonner. Demain, nous reviendrons avec un dossier spécial. Ne ratez pas l'émission de demain. C'est un grand dossier. Torozong est en lobby. Torozong est peut-être un dossier à élection. Sorry, Tomoni, qu'il y a eu changement. S'il n'y a pas d'éléments nouveaux, nous allons aborder un dossier dans un autre domaine et je vais vous en parler demain. Et c'est très important pour demain. Alors, si vous êtes ici pour la première fois, avant de quitter, abonnez-vous. Et puis, likez l'émission. Si aussi vous vous dites, oui, le Parlement a résolu le problème, likez l'émission. Faites ça. Yes. Et puis, s'il y a un cœur, vous mettez votre cœur là-bas. Ça montre que l'émission est aimée, l'émission est suivie et ça peut être beaucoup partagé. Vous avez un appui, n'hésitez pas. Nous avons notre Zelle, nous avons notre Cash App, nous avons notre PayPal. Vous écrivez seulement notre adresse email honorecab@gmail.com et votre aide nous parviendra. Chers amis, je vous aime bien. J'aime bien. Vous voulez devenir notre partenaire? Allez-y sur notre chaîne. On ne prend plus des appels. Vous êtes tellement nombreux. Je suis désolé pour aujourd'hui. On a dépassé le temps. 1h30, c'est beaucoup. C'était une émission spéciale. Mais si vous voulez, on peut revenir demain. Et si vous avez encore des choses à ajouter ou des commentaires à faire, n'hésitez pas de nous contacter, de nous faire de SMS, de nous faire des emails, de nous appeler, de nous laisser des voices. Nous allons sur YouTube, WhatsApp, nous allons toujours vous rappeler. C'est ça ce que nous nous sommes décidés de dire. Nayoki Bandegomsou Soubazoloba, non, tu ne réponds pas, je réponds. Beaucoup peuvent témoigner, je réponds. Je prends un temps, soit une heure, soit deux heures, toujours en train d'appeler des gens. Je réagis toujours puisque je vous respecte beaucoup pour cette confiance que vous nous avez offerte. Merci beaucoup, les amis de la Zambie. Je vous vois vous appeler. Gabon, vous appelez. Je ne peux plus vous prendre parce que nous sommes à la fin de l'émission. Prenez alors bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Et bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va poter, Wat. Avec la Wat, il y a un côté qui a foutu. Ma pisse en a côté de Machoyo. Papa! Didi! Wouah! Il est bien, il y a un côté. Bon, fini, Péming. Occasion, oui. Bon côté. Yo, mon coco, j'ai. Bon marqué? GD5 B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. B, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquer seulement 5 B au coup.